Les élèves, il nous reste 5-10 minutes, donc j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de débattre sur un sujet assez particulier, donc la peine de mort. Donc chacun aura l'occasion de s'exprimer là-dessus. Un peu de silence, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un volontaire pour commencer ? Gary. De toute façon, si quelqu'un est condamné à mort, c'est qu'il le mérite, hein. Bah, c'est clair. Bah, ouais. Pas mal, ouais. Bah, je pense que c'est effectivement une question difficile, mais je pense que chacun a le droit au pardon. Ouais. Quelqu'un d'autre a une opinion, peut-être Chacun a le droit au pardon, ouais, c'est ça. Attends, moi, si ta mère, elle se fait tuer et tout, tu vas pas liquider la personne. Ouais, t'as raison. N'importe quoi, chacun a le droit au pardon. Ouais, bonne réflexion, ouais. En effet. Un meurtrier, ouais. Il doit être puni, moi, je dis, madame. Ouais, elle a raison. Tout à fait, ouais. Tu pardonnes tout le monde, tu pardonnes tout, non? Ah bon? Ouais. C'est bon. Hé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans un état comme ça? Ça va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait. Je trouve qu'en cours, on a eu un débat sur un sujet un peu particulier et j'ai voulu exprimer un peu mon opinion par rapport à ça en tant que chrétien et voilà, ils ont rigolé, ils sont moqués de moi, on m'a humilié. Je suis sortie quand il y a eu la sonnerie et on m'a bousculé, je suis tombée par terre, ils se sont tous moqués. Même ceux que je pensais être mes amis se sont retournés contre moi, enfin. Je sais pas si je pourrais un jour leur pardonner. Est-ce que tu te souviens du témoignage de cette femme? Tu sais, au moment du week-end porte ouverte pour les chrétiens persécutés, tu te souviens, son mari a été assassiné parce qu'il était chrétien. Ouais, tu te souviens peut-être. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et moi, je te dis que Jésus t'a pardonné. Il t'aime. Alors, pourquoi ne ferais-tu pas de même envers ceux qui t'ont fait du mal? Les gars, j'ai une idée là. Et si on se faisait une virée ce soir? Hein? On se fait une virée, puis on fait, je sais pas, un truc, genre. D'où tu viens comme ça? Quoi? T'as vu ce que t'as dit à Géraldine? Qu'est-ce que j'ai dit à Géraldine? Et franchement, t'as trop abusé. Arrête de oui, faire ton leader là. J'ai dit à Géraldine que tu fais pas partie du groupe. Ouais, et alors? En plus, mais quoi? Pourquoi tu fais pas partie du groupe? C'est quoi ton problème? Tu arrêtes. C'est quoi ton problème, franchement? Mais casse-toi! Tu m'énerves. Ouais. Allez, viens, on se casse. Ça va? Merci. Touche pas à toi. Pourquoi tu m'aides? Mais... je t'ai bien dit que tout le monde a droit au pardon. For my Christians in China, Sudan, Pakistan, vision what Christ did do and rally on. This race at a great pace, keep pressing. So brave like your faith ain't being tested. His message, revenge is his. So forgive us, he forgives and he'll avenge his kids. Lost in the world means first in the kingdom. You encourage us because you thirst for the kingdom. I've had a few money troubles, a few car crashes, a few funny scuffles. Now I laugh at it, cause at least I can roll out to church on a Sunday and give a testimony about the grace of the Lord. There's people in the world that don't get the privilege. Not allowed to say nothing about the risen king, but it's all in the Lord's plans. I leave it all in the Lord's.